Allô tout le monde, Mélissa du 107.5 Rock Détente. Je me trouve au Festivant. On est samedi, il est presque 6 heures. Je vais savoir dans quelques minutes si on fera finalement notre envolée en montgolfière. Jusqu'à maintenant, le drapeau est rouge parce que les vents sont peut-être pas dans le bon angle, mais ça pourrait changer d'ici quelques minutes. Et c'est ici tout à l'heure que les montgolfières vont se gonfler. Alors, à défaut de pouvoir monter, il y en a qui descendent. Alors, c'est un vrai travail d'équipe. Tout le monde met la main à la pâte pour sortir la montgolfière. En espérant qu'on va monter, on devrait savoir ça dans quelques minutes. J'ai tellement hâte. Alors, comme vous voyez, on est en train de monter la nacelle. On devrait être en mesure de grimper ce soir. On va vraiment savoir ça dans quelques minutes. On a même mis la main à la pâte tout à l'heure pour monter les brûleurs, installer les petits poteaux. Ça mesure peut-être 5 par 10 la nacelle. On va être au moins 9 dedans. Ça devrait être une super belle ambiance. Je parlais avec Richard et son épouse qui sont très sympathiques, qui font ça depuis une vingtaine d'années. Je me sens fébrile. J'ai très, très hâte de grimper. Alors, voici ce qu'on voulait voir ce soir. Le fameux drapeau vert qui fait qu'on va grimper dans les airs. Je trippe. Je vous présente mes amis de la nacelle. Bonjour. Alors, on a... Votre nom, c'est? Judith. Judith. Lynn. Lynn et? Martin. Martin, qui c'est son cadeau d'anniversaire de mariage. De 50 ans. Ah, 50 ans, je me suis trompée. Je pensais que c'était l'anniversaire de mariage. Je me demandais pourquoi votre épouse n'était pas là. J'ai dit, coudonc, elle ne profite pas de son cadeau. Non. Mais là, je suis avec des habitués. Madame, ici, en a fait 3 fois. Vous, c'est pas votre première fois non plus, hein? Deux fois. Deux fois. Puis Martin? Première fois. Première fois. Bon, on est des néophytes, nous autres, là. Alors, comme vous pouvez voir, il y a des montgolfières un petit peu partout qui sont en train de gonfler. On en a une qui part, celle du Canada. Ça monte assez vite, hein? C'est assez impressionnant. Alors voilà, elle est partie. Il y en a plein d'autres qui gonflent. Il y en a déjà plusieurs qui sont dans le ciel. On va être, semble-t-il, facilement 15 à 20 montgolfières ce soir dans le ciel. Alors, la nôtre, elle est ici, par terre. On va la gonfler bientôt. La blanche, verte et orange. Et ce sera le grand départ. She's a good girl. Loves her mom. Loves Jesus. In America, too. She's a good girl. She's crazy about Elvis. Loves horses. And her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Thank you.
Montgolfière. C'était vraiment hyper le fun. On est atterri dans un champ au milieu de nulle part sur la rive sud. Alors, je vous le conseille fortement. Si vous avez l'occasion de faire ça un jour, amusez-vous. C'est un super beau trip.